Bonjour à tous. J'avais commencé à vous parler, mais apparemment on a un certain nombre de difficultés de communication. Comme vous le savez, comme Maître Yacine Bouzrou l'a indiqué, les mesures de surveillance policière ont été édictées à mon encontre, notamment de mise sur écoute. On a un pays où la violence civile s'accroît de façon absolument dramatique. Les chiffres de la délinquance qui ne font l'objet d'aucun commentaire dans la presse se déploient. Visiblement, M. Macron n'a d'autre objectif que de continuer à se servir de notre République et de ses outils qu'à des fins politiciennes. C'est l'une des conséquences que je tire de cette affaire sordide qui a amené l'ensemble de la planète politico-médiatique à s'hystériser au sujet d'un sexe. Et dans la médiocrité de ce geste, j'aimerais réintroduire un peu de pensée, tenter de comprendre ou de vous donner une explication du pourquoi, moi qui l'ai vécu de l'intérieur, qui continue à voir paraître tous les jours des articles de plus en plus délirants à mon sujet pour tenter de rationaliser et d'expliquer comment l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés, comme Paris Match m'a appelé hier, avait pu trahir à ce point et se délester des intérêts de sa classe. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, un sexe a provoqué de telles fixations? J'aimerais commencer par un élément dont vous avez tous compris qu'il était évident, qui n'est pas énoncé. Tout n'a pas été dit dans cette affaire, et vous le savez parfaitement. Mais lorsque ce sera, je pense que il n'y aura pas grande honte, parce que ces êtres-là ne connaissent pas la honte, mais il y aura en tout cas révélation d'une grande impéritie au sein de notre espace politique et médiatique. Par ailleurs, je pense que, outre les comptes à régler après crépuscule, qui avait déjà amené Aurore Berger à me signaler au procureur de la République il y a un an. Outre la violence qui consiste en tout simplement ne pas réussir à avoir faire taire des voix qui s'opposaient à un pouvoir qui se croyait tout puissant, qui se jonchait dans une forme de jouissance absolue, auto-masturbatoire, se caressant dans le plaisir d'avoir réussi ce coup extraordinaire que M. Macron lui-même a qualifié de braquage, de voir tout d'un coup le coup d'arrêt qui leur a été porté, c'est évidemment une violence extraordinaire pour eux. Mais outre tout cela, je pense que ce qui explique la fixation délirante, journalistique et politique, au sujet d'une affaire d'une banalité confondante, c'est tout simplement qu'elle révèlent leur perte de pouvoir. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de vous en parler sur ce médium, parce que ça fait partie d'un ensemble beaucoup plus général où des classes dominantes qui avaient pour vocation de contrôler ce qui est dit et montré dans la société, ce qui a le droit d'être dit et montré par la société, ont été humiliées par un homme seul, Piotr Pawlenski, qui errant de squat en squat, après avoir montrer au régime de Poutine son ridicule en se faisant violence à lui-même, en y résistant à travers une monstration de la violence qu'il infligeait au corps à travers des automutilations, a décidé en France de pointer peut-être le point le plus fragile de la société, d'une société où tout est pornographie et où pourtant l'on ne cesse de s'indigner dès le moment que la vie intime est touchée. Ce qu'a fait Piotr Pawlenski, c'est un geste qui a suscité l'indignation, non pas tant parce que ces êtres en ont quelque chose à faire de l'intimité de Benjamin Griveaux ou de la réalité de ce qu'ils cachaient, mais plus grave, parce qu'ils rompaient leurs dogmes, parce qu'ils s'émancipaient d'eux, et parce que cet individu précaire, sans aucune arme particulière, avait réussi à rompre une digue extraordinaire, qui faisait que, alors que des hommes politiques avaient toute possibilité de montrer leur intimité dans des médias acheté, People, Gala, Closer, Voici,
Paris Match, qui leur servait de rampe pour construire leur notoriété, de la même façon qu'ils servirent à Emmanuel Macron pour gagner la présidence de la République, et qui furent utilisés par Benjamin Griveaux à travers la même personne, Mimi Marchand, décrite en détail dans Crépuscule. Eh bien donc, qu'alors que ces êtres tartuffes, menteurs, hypocrites, s'autorisaient à utiliser leur intimité, à la mettre en scène, à la maquiller, pour essayer de toucher le cœur des lecteurs sensibles, de ceux qui y croyaient ou qui avaient besoin un moment de fantasmer, et qui, ce faisant, produisaient une grande distorsion dans l'espace médiatique, parce qu'ils pouvaient raconter ce qu'ils voulaient, mettre en scène ce qu'ils voulaient, sans à aucun moment voir leurs paroles contredites par le réel, voir des enquêtes s'appliquer sur eux. Pourquoi ? Parce que l'intimité est sacrée dans ce pays. L'intimité est sacrée dans ce pays, ou plutôt, l'intimité est sacrée dans ce pays pour les dominants, y compris ceux qui ont décidé de l'utiliser. Mais un Pilote Pavlensky a eu ce geste qui consistait, avec une sauvagerie inouïe, de dire « cette hypocrisie a trop duré ». Et ayant les preuves démontrant que cet individu avait menti, je vais les révéler. Et alors la violence absolue pour tous ces médias, qui tout d'un coup se voyaient, eux, exposés dans leur nudité, qui tout d'un coup, eux, voyaient que leurs mensonges, leurs manipulations, leur complicité pouvaient être mises à bas par un être seul, par un artiste, qui en révélant la pornographie du politique, en révélant une partie de cette pornographie, eh bien les a fait paniquer. S'en sont suivies des perquisitions, des hystéries policières, des descentes avec des mini-fusils d'assaut, comme s'il s'agissait de terrorisme, une arrestation brutale, filmée par Paris Match en même temps, par la même Mimi Marchand, visant à humilier. Et c'est là où la bêtise de cette société, de ses dominants, est apparue. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils tombaient dans le piège de Piotr Pavlensky. Que Piotr Pavlensky avait monté son œuvre d'art, non pas seulement à travers le geste, ce que lui-même décrit comme un élément, cette vidéo-là, mais à travers un site internet plus général, d'une part, porno-politique, qu'il considérait comme le point de départ d'une grande remise en question des privilèges dont bénéficiaient ces êtres qui partout ailleurs dominaient, mais aussi de par les réactions qu'ils susciteraient dans la société et au sein de cet espace médiatique. Et l'immense tartufferie et les mensonges qui se sont accumulés au sein d'articles qui, par centaines et centaines désespérés, tentaient de l'accabler, puis de m'accabler moi, puis d'accabler Alexandra de Tadeo à travers des mensonges qui se cumulaient, qui n'étaient jamais corrigés, dont ils se fichaient complètement, à achever de ridiculiser un dispositif scénique, une scène médiatique, qui pensait, ce faisant, reprendre le pouvoir. Parce que leur objectif était celui-là, accabler et écraser, faire mettre en prison, de façon à s'assurer que personne ne puisse à nouveau leur contester ce droit à l'addiction, ce droit de dire ce qui pouvait ou non être montré, ce droit tout-puissant qui leur était réservé au sein de ce petit Paris, de montrer ou non la réalité selon les intérêts. Et c'est pour ça que Paris Match s'est vautré, à leur sujet tout d'abord, puis au mien, qu'ils ont complètement violé ces règles qu'ils prétendaient défendre, de la dignité humaine, du respect de l'intimité, qu'ils ont montré Piotr Pavlensky menotté, ce qui est illégal, qu'ils ont essayé de fouiller dans ma vie intime, tentant de détruire un amour dont ils ne comprendront jamais la pureté, fouillant dans les photos d'enfance, et ce faisant, en fait, révélant à quel point ils étaient hypocrites, et à quel point ce n'était nul point une question d'éthique ou de principe, mais un pur rapport de force, une pure affaire de pouvoir, dru et nu. Il voulait abattre ce qui avait menacé de le faire tomber. Piotr Pavlensky est un anarchiste, un dadaïste, quelqu'un qui a créé une bulle qui faisait œuvre, qui, par la réticularité du dispositif ainsi mené, a humilié encore une fois nos dominants. Et en cela, c'est pour moi un gilet jaune. Et s'il a rendu hommage à cela, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il a bien vu qu'il s'agissait, en prenant des risques énormes, dont il était prévenu, de rendre sa pièce à un pouvoir arrogant et jouissant, et de les ridiculiser. Alors ensuite, une fois que
Ces êtres-là ont compris qu'il n'y avait rien à tirer d'abattre Piotr Pavlensky, ils se sont attaqués à moi. Ils ont commencé à fantasmer, prétendre que j'étais l'organisateur. Paris Match a déterré une vidéo qui avait fait plus de 200 000 vues, qui était accessible publiquement en disant que c'était une exclusivité dans laquelle j'annonçais qu'il fallait mettre à bas Benjamin Griveaux. Ils ont découvert, en somme, que j'étais un opposant politique. Mais surtout, ils l'ont fait découvrir à leur lecteur, à ceux-là même qui n'avaient pas pu avoir accès à ce que nous savions, à ceux-là même qui n'avaient jamais entendu parler de Crépuscule, de Contre-Macron, d'Assange, parce qu'ils s'amusaient à le masquer. Soudain, ils ont été pris dans leur propre piège. Ils ont commencé à en parler, en se disant « mais on va l'abattre, on le tient, le pouvoir y a participé, en ordonnant cette surveillance domiciliaire, ces interceptions, en essayant de faire obstacle à ma nomination, en laissant Piotr Pavlensky 72 heures sans droit, sans accès à un avocat, en essayant de me rayer du barreau. » Ils n'y sont pas arrivés. Ils n'y sont pas arrivés parce que leur chute est maintenant certitude. Parce que leur capacité à détenir ce pouvoir qu'ils avaient jusqu'alors, qui nous excluait du champ démocratique, eh bien, tout simplement n'est plus. Et alors, leur inquiétude n'était pas tant de savoir quelles seraient les prochaines vidéos, car évidemment qu'elle en faisait partie, et qu'évidemment que cette hystérie, cette obsession de faire arrêter cet individu à travers une affaire bidon n'avait pour objectif que de s'assurer que la suite ne sortirait pas. Mais de quelle suite avait-il si peur? Qu'est-ce qu'il manquait à voir? Qu'est-ce qui a fait que l'inquiétude s'est faite si générale et qu'il a fallu symboliquement abattre avec une telle violence ce qui soudain les menaçait? Je vous laisse vous interroger à ce sujet. Ce que je vois, c'est que la haine s'est déployée, qu'elle a dépassé tous les prédicats qu'eux-mêmes énonçaient, qui se sont pris en fait les pieds dans leur mépris. Je suis très ému de voir que vous êtes resté à mes côtés. Vous avez assisté comme moi à cette haine qui fait qu'une grande partie de la population n'aura qu'une image complètement distordue de ce qui s'est passé. Mais je crois autant à la possibilité sur long terme de leur démontrer qu'ils avaient tort d'avoir eu confiance en des êtres qui mentaient. Ils ont essayé de me faire passer pour menteur, pour manipulateur, pour aigri. Ils ne peuvent concevoir que l'on puisse les détester pour des raisons qui ne soient pas d'intérêt. Parce que ces êtres-là n'ont pas d'idées. Ils n'ont que des intérêts. Et ce n'est que pour cela qu'ils entrent en politique, qu'ils entrent dans l'espace médiatique, pour salir et mentir, manipuler, tout simplement pour dominer. Alors, que la salissure continue, que le JDD demain inventera de nouvelles aventures, qu'il tente de faire durer un feuilleton dont j'ai hâte qu'il découvre la fin. Encore une fois, je voulais juste vous dire ce mot parce que c'est ce lien, cette possibilité de les court-circuiter que nous a donné Twitter, que nous a donné Facebook, que nous ont donné ces réseaux sociaux détenus par des machines capitalistes atroces, mais qui nous offrent une liberté parce que ces mêmes capitalistes n'en ont strictement rien à faire que l'on fasse la révolution ou non en France, que l'on se batte ou non contre le pouvoir existant, car ils n'ont peut-être pas idée de la puissance que la France pourrait avoir demain si jamais elle était dirigée par un peuple qui, sans couard à sa tête, romprait avec la lâcheté qu'il a jusqu'ici caractérisée. Vous dire que la tartufferie sur la question de l'intimité, mais aussi sur la tentative de confusion entre client et avocat, s'effacera au fur et à mesure que les éléments factuels s'énonceront. Et que j'aimerais vous répondre si jamais vous avez des questions. Non pas pour vous montrer, il n'y a plus de paparazzi aujourd'hui envoyés parmi les marchands, il y aura peut-être encore des policiers. La réalité de ce que c'est que de vivre sous surveillance politique, dans le désintérêt complet de ces mêmes médias qui prétendent lutter pour des principes démocratiques, ce qu'il en est de vivre dans les coulisses d'espaces médiatiques qui vous harcèlent,
journalistes de Paris Match qui vous écrivent à 22h30 un dimanche en vous disant qu'ils vont boucler le soir même, mais qu'ils sont près de chez vous et qu'ils voudraient vous poser quelques questions. Journaliste de France Inter qui annule une émission à la dernière minute en prenant excuse, ou prétexte plutôt, d'une déclaration qui les aurait blessés, évidemment sur instruction de la direction. Journaliste comme Hanouna qui, dans la pourriture pornographique dans laquelle ils vivent, essaye de donner des leçons sur le fait qu'il ne faudrait pas faire ci ou cela. Et enfin, satisfaction de voir que mes clients et anciens clients, Alexandra Tadeo et Piotr Pawlenski, ont tenu droit, ne se sont pas laissés intimider, malgré l'agression constante dont ils ont fait l'objet, et qu'il s'agit maintenant à moi, à mon tour tout simplement, de résister. Je vous remercie pour tous les mots de soutien que vous m'envoyez. Je suis prêt à répondre à des questions à vous, parce que j'en peux plus de répondre à des questions de journalistes depuis des semaines, avec un harcèlement, des mensonges extraordinaires visant à me faire avouer des choses que je n'aurais pas fait, pire que les procureurs. On a une chance extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'il y a une juge d'instruction d'une intelligence extrême, indépendante à souhait, qui a été nommée, qui a résisté à la pression du parquet, qui a libéré Piotr Pawlenski, et qui, à mon avis, ne se laissera pas impressionner par la pression médiatique qui est en cours. Je voudrais dire un mot, finalement, sur la psychologisation outrancière dont je fais l'objet. Il y a pour moi nul élément plus important dans la vie que le rapport intime et amoureux. Je ne crois pas à l'espace public et aux effets de réputation. Vous avez bien vu comment cette sphère publique était une sorte de cumul de manipulations mensongères visant à servir des intérêts, qu'il n'y avait nulle possibilité d'atteindre la réalité et la vérité si l'on s'appuyait sur cette sorte d'excroissance morbide de mots que produisent les journalistes, dont Nietzsche, à la fin du XIXe siècle, avait dit « S'il continue à œuvrer comme ça, dans un siècle, toute parole puera. » Je pense qu'il faut résister avec noblesse à cette condamnation, continuer à tenter d'utiliser, nous, le langage avec honnêteté et sincérité, ne pas se laisser abattre par les tentatives d'humiliation qui nous sont infligées. Et si je voulais parler d'amour, c'est parce que, évidemment, cette affaire a produit des effets catastrophiques dans ma sphère. Un être qui n'était pas aux responsabilités et qui s'est contenté d'accompagner un client dans une lutte qu'il avait décidé de mener. On a cherché de façon rapace, Mediapart les premiers, d'entrer dans un espace pour essayer de justifier le fait que je sois un être méprisable en arguant qu'il y aurait un certain nombre d'éléments dans la façon dont j'aimais qui étaient sujets à caution. On a tenté d'arguer en même temps que vie intime et politique n'avaient aucun lien. J'aimerais dire qu'il n'y a rien de plus faux et que c'est notre intimité qui détermine notre rapport au politique. Non seulement parce que nos idées politiques sont déterminées par un espace social qui nous prédétermine, qui nous prédestine, qui fait que l'on pense, sans même se rendre compte, à un certain nombre de choses, et on élabore un certain nombre d'idées qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous ont été léguées, mais aussi parce que nos états d'esprit, et ça je le vois très bien dans l'espace public, affectent énormément notre rapport à la parole et notre engagement, notre capacité à la prise de risque. Et s'il n'y avait pas eu ce drame intime qui, précédant de peu les Gilets jaunes, m'a amené à me donner une force extraordinaire pour essayer d'accompagner ce mouvement et en révéler l'humiliation qu'ils essayaient de lui affliger, sans raison, je suis convaincu qu'il en va de même pour les politiciens et pour tous les hommes qui, un jour ou l'autre, s'engagent, que ce soit de par leur rapport au désir, à la sexualité, ou au contraire, au sentiment, il y a une détermination très forte et un lien extraordinaire entre
entre les deux, entre libido et pouvoir, entre sentiment et pensée. Et donc j'aimerais que l'on cesse cette tartufferie qui consiste à dire qu'il n'y aurait pas de lien entre les deux. De la même façon qu'entre artiste et œuvre, il y a évidemment construction. Entre artiste, vie de l'artiste et création. Et donc à partir de là, il n'y a pas de présomption de ce qui doit ou ne doit pas arriver dans l'espace public. Piotr Pawlenski considère avoir fait œuvre d'intérêt général, en révélant une tartufferie, qui plus est à un moment où l'intimité de cet individu était utilisée pour faire de la politique. Il ne m'appartient pas de juger de ce qu'il en est. Ce geste ne m'appartient pas. Il est sien. C'est lui qui s'est engagé sur cette voie. Et il m'a demandé, en tant qu'avocat, de lui signifier les risques qu'il prenait. Et si jamais les conséquences juridiques devaient atteindre, de le protéger. On a essayé de m'en empêcher. On a essayé d'utiliser cette affaire pour me dévaster. J'ai craint pour nos ennemis, puisqu'ils en sont, que cela n'ait pas marché. J'aimerais vous embrasser très fort, vous dire encore une fois que l'on continue à lutter, qu'il y a une dégénérescence très forte dans cette société, au sein de cet espace dont on a essayé de m'éjecter, et que je continuerai, moi, leur enfant, qui détient le plus précieux de leurs secrets, celui qui fait que ils savent dominer. Eh bien, tout simplement que, contrairement à ce qu'ils pensent, sans haine, sans jalousie, mais au contraire avec l'immense bonheur de pouvoir le faire accompagner, eh bien, tout simplement que je continuerai à lutter.